monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo pour vous parler de la Birchbox de fin d'année. Alors, dans la dernière vidéo de la Birchbox du mois d'octobre, je vous avais dit que j'avais participé à un événement blogueur pour le lancement de Birchbox en Belgique. Lors de cet événement blogueur, j'ai eu la chance de recevoir la Birchbox de fin d'année qui est en édition limitée et qui s'appelle la prête à craquer partie. Voici la Birchbox. Vous avez sûrement vu déjà quelques photos sur le blog lors du résumé de ce fameux événement. Donc voilà, les produits sont des petits cônes. J'avais reçu celle-là ainsi que le dossier de presse sur toutes les Birchbox de fin d'année. Je vais vous parler de ce que nous réserve Birchbox pour Noël. Alors, il existe deux Birchbox prêtes à craquer. Il y a la première qui est un peu un cadeau, dans lequel on peut choisir d'avoir un abonnement 3 mois, 6 mois ou 12 mois. C'est la prête à craquer normale. Et ensuite, vous avez la prête à craquer partie qui coûte 15 € et qui est en édition limitée. Ces deux Birchbox ont été créés spécialement pour la fin d'année. Je vais vous montrer le petit matériel que j'avais reçu. Donc voici la prête à craquer, la simple. Voilà, ça c'est le petit feuillet avec les produits. Donc à l'intérieur de cette prête à craquer, on peut choisir un abonnement de 3 mois pour 49 €, 6 mois 85 € ou 12 mois pour 135 €. Ce qui est un peu un cadeau idéal, et vous pouvez voir le genre de packaging ainsi que les cartes, la carte d'abonnement. Et en plus de ça, vous avez la prête à craquer partie, donc avec le même packaging. Et d'autres produits à l'intérieur que je vais vous détailler tout de suite. Voilà, je vais vous montrer le contenu de la prête à craquer. Donc c'est aussi une petite boîte, mais cette fois elle est blanche par rapport à la différente aux Birchbox habituelles qu'on reçoit mensuellement. Voilà, c'est un petit trou, on voit à travers, je vais essayer de vous montrer s'ils sont bien mis à l'intérieur, on voit le doré d'un des petits cônes, d'un des petits crackers comme Birchbox l'indique. Derrière, il faut noter juste prête à craquer partie. Quand on l'ouvre, j'essaie de ne pas tout faire tomber. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 petits crackers que je n'ai pas encore ouverts. Ils sont comme ça. Je suppose que vous savez évaluer la taille. C'était sur les tables de Noël lors de la présentation aux blogueurs. Il y en avait aussi dans le sapin, ça peut servir de petite boule aussi, pourquoi pas. Voilà, de ce côté là le logo, là c'est le pop, là il n'y a rien, et là il y a une espèce de petite étiquette parfaite pour noter le nom de la personne à qui vous offrez cette fameuse box. Alors je vais vous ouvrir les petits crackers, je les ai déjà pré-ouverts, j'ai juste décollé la petite pastille ici en dessous parce qu'elle est quand même bien attachée et il faut bien tirer dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc elles sont toutes là. Voici la première prise au hasard, le premier cracker pris au hasard. Ça s'ouvre de cette façon. Donc quand on retire le truc, après on appuie, un peu comme les jeux quand on était tout petit. Et à l'intérieur, vous avez des fils dorés et le produit qui est pour ce cracker-ci. Je remets les fils dorés pour ne pas en mettre partout. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Jelly Pong Pong 2 en 1 eyeliner and shadow. Donc c'est un eyeliner et un fard à paupières 2 en 1. Donc c'est en fait un gros crayon. Je vais vous l'ouvrir. Donc je découvre les produits en même temps que vous, même si dans le communiqué de presse, il me faisait noter le contenu. Voilà. Parfait. Hop. Voilà, donc le jelly pom pom. Voilà. Ici, hop, un gros crayon eyeliner brun, marron. comme eyeliner. Et donc, comme faire à paupières, je vais vous remettre un peu là. Il paraît bien pigmenté. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'était le premier produit dans le premier cracker. Je le dépose là. Ensuite, vous avez on ouvre un autre cracker. Ça fait très surprise. Hein. Donc toujours des fils dorés. Et là, on a un tube de Balance Me Extra Care Wonder Eye Cream. Crème miraculeuse pour les yeux. C'est un petit tube donc de crème pour les yeux qui est à 99% naturel. Voilà, c'est à 7 ml. Alors derrière, on nous met une crème pour les yeux triple action, pour le contour des yeux. Voilà. Voilà. Hop. Voilà la crème, elle est blanche. C'était donc le deuxième produit des crackers de fin d'année. Ensuite, troisième produit est un produit que j'avais vu lors de la présentation en Belgique. C'est Classic Strong Mint Marvis. C'est du dentifrice de la marque Marvis. Donc c'est un tout petit tube. Alors moi j'aime bien recevoir du tout petit dentifrice parce que c'est très pratique pour être transporté pendant qu'on est en voyage ou qu'on n'est pas chez soi tout bêtement. Je sais pas si vous avez lu ma review sur les dentifrices de Lush, mais j'aime quand c'est tout petit et facile à transporter. Ça aussi c'est vraiment un tout petit format de, de 10 ml, très léger. Et je regardais de quelle couleur est le dentifrice. Bien sûr il y a un petit truc. C'est du dentifrice blanc, classique. Il sent effectivement fort la menthe, comme son nom l'indique. Voilà, donc ça c'était le troisième produit. Il nous reste deux crackers à ouvrir. Alors, hop. Dans ce quatrième crackers, ouf, les petits fils qui collent. On a une crème de Sampar, une marque cosmétique bien connue. C'est la crème hydratante teintée UV Défense. Donc son nom indique exactement ce que c'est, je ne vais pas vous l'expliquer, mais par contre je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Elle est teintée. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Elle est légèrement teintée, je vais en mettre un peu sur ma main. Et quand on l'applique, en fait on ne voit pas, elle se fond complètement sur la couleur de la peau. Et elle sent la crème, elle sent un peu comme une Nivea, voilà. Donc c'est une miniature de Sampar, un 10 ml. Et enfin le dernier cracker, c'est un produit que on a déjà reçu dans la box du mois d'octobre, dont vous avez pu lire la review sur le blog ainsi qu'en vidéo. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes. C'est le gloss joues et lèvres de Steniac. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté lors de ma précédente review. Je ne vais pas l'ouvrir comme ça, je le conserverai et je vais en profiter pour le donner. Mais c'est un produit dont je n'ai pas été très satisfaite à la base, je l'ai testé. Il sèche très vite, il assèche aussi les lèvres. Sur les joues, je ne l'ai pas essayé, mais il y a très peu de couleurs sur les lèvres, etc. Pourtant, quand on l'ouvre, il a l'air vraiment foncé, mais ce n'est pas du tout le cas quand on le pose. Voilà. Mais c'est quand même un petit produit sympa et ça donne quand même une très très légère teinte aux lèvres qui sont plus claires, parce que j'ai quand même, enfin aujourd'hui je porte du rouge à lèvres, mais j'ai les lèvres qui ont quand même une teinte plutôt foncée. Je ne suis pas blanche, mais je pense que sur une blanche qui a des lèvres plus claires, ça devrait quand même se voir un peu plus que sur moi. Par contre, ça ne tient pas du tout. Je trouve que même après un petit verre d'eau, ce petit gloss à lèvres et à joues ne tient pas du tout, il est déjà parti. Donc vous avez vu tous les produits qui se trouvent dans les petits crackers de Birchbox. On récapitule, on a le gloss joues et lèvres de Steniac, la crème teintée hydratante de Sampar, le crayon eyeliner et fer à paupières de Jelly Pong Pong, la crème pour les yeux de Balance Me et le dentifrice de Marvis à la menthe. Voilà, ce sont des produits bien sympas. Si je ne me trompe pas, ce sont 3 miniatures en ce qui concerne ces 3 produits-ci et 2 full size. Peut-être pas celui-là, je ne suis pas sûre, mais je crois quand même pour ces 2 produits de make-up. Voilà, donc maintenant les crackers sont vides, je les ai remis dans leur boîte. Je vous rappelle que cette Birchbox prête à craquer partie coûte 15 € et est en vente depuis ce lundi 8 novembre sur le site de Birchbox, ainsi que l'autre prête à craquer standard, dans laquelle vous pouvez mettre un abonnement au choix de 3 mois, le 6 mois ou le 12 mois. Donc je vous remonte le petit fascicule de la prête à craquer standard. À l'intérieur vous avez d'autres produits. 4 produits plus la carte abonnement que voici. Voilà, vous pouvez voir toutes les informations sur le site internet de Birchbox. Et voilà, donc je trouve que c'est une box très très chouette, je suis contente de l'avoir reçue. Moi, c'est seulement ma deuxième Birchbox, étant donné que Birchbox est disponible en Belgique depuis seulement le mois passé. Ma première Birchbox a été celle d'octobre, mais grâce à l'événement, j'ai pu voir plusieurs Birchbox, ainsi que celle qui va arriver, celle de décembre, qui me paraît tout aussi sympa que les autres. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il existe aussi une review en photo, donc vous pouvez voir les produits de plus près, ainsi que le descriptif, un tout petit descriptif pour chaque produit, sur le blog, sur un post qui sera posté cette semaine. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.